Désiré. He was prime minister for two long term, and I was an opponent of him all my political career. But in politics, opposition is opposition. It's like playing hockey. You can fight on the ice, but have a beer together after that. And we had a lot of things in common. Il était de Bécamo, fils d'un ouvrier. J'étais de Shawinigan, fils d'ouvrier. J'ai étudié à Laval. Il a étudié à Laval. Il a été impliqué dans la politique toute sa vie. Pas nécessairement député comme moi, mais dans l'arrière-ban, dans l'organisation du parti. Et il a fait sa marque comme premier ministre, il n'y a aucun doute. Alors, nous n'étions pas toujours d'accord, c'est bien évident, mais on était souvent d'accord. Il croyait comme moi au Canada. Il était un fédéraliste. Pour maintenir l'unité, on avait des méthodes peut-être différentes, mais le but était le même. And, you know, he was involved in many controversial files. And it's better to be involved than not to be involved. C'est mieux d'être impliqué de ne pas l'être. Il y a des moments où nous n'étions pas d'accord, mais au cours des référendums, nous étions du même côté. Alors, il a eu une carrière politique brillante et il a mené une vie personnelle exceptionnelle. Vous savez, avec Mila, il a eu une belle famille. Des enfants qui ont connu du succès. C'était un homme de famille. Il était lui-même issu d'une minorité, un anglophone au Québec, alors que j'étais francophone ailleurs au pays. Mais il était possible d'être issu du Québec rural, de faire son chemin et de devenir premier ministre du Canada, comme il l'a été, des mandats couronnés de succès. Et j'aimerais offrir à ses proches, à sa famille, mes plus sincères condoléances, et ils peuvent être fiers de leur père. Ben, de faire revivre le Parti conservateur, particulièrement au Québec. Ça n'existait pas, les conservateurs au Québec. Je pense que la plupart de ses amis votaient libéral au fédéral, Union nationale au Québec. Même, on en a discuté à quelques reprises. Tout à fait dernièrement, durant sa maladie, je l'ai appelé, comme il savait, se devait. Et je faisais une blague que nous étions tous les deux du Québec rural et que nous avons suivi la tradition familiale. Ah, oh, il dit non, pas moi. Il dit, mon père, avec comment était un libéral? Ah ben, je dis, moi, il était un libéral à Chamonix. Alors, on pouvait avoir des conversations comme celle-là, tout à fait séduisées, civilisées. Évidemment, l'histoire juge toujours ce qu'on a fait. Il ne faut jamais se préoccuper de qu'est-ce qu'on versait comme marque dans l'histoire. La marque dans l'histoire, c'est ce que vous aurez fait. Et elle sera jugée. For me, you know, people ask me what I'd like to be remembered, and we should not worry about it. History will write de quoi l'histoire, qu'est-ce que l'histoire retiendra de lui? Vous savez, l'histoire va se retenir de bien des choses. Question. Vous avez servi dans l'opposition pendant plusieurs années. Il a été un des plus grands orateurs que le Canada ait connu. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Réponse, on a eu du plaisir. On se piquait, je le piquais, lui me piquait. Vous savez, à la Chambre des communes, nous avions du plaisir et on ne doit pas se prendre trop au sérieux. On doit prendre le travail, cependant, et la tâche très au sérieux. C'est la vie, on fait de notre mieux. On peut être d'accord et pas d'accord. Ce n'était pas difficile d'avoir une relation ensemble. Nous n'avons pas eu de discussion ni d'animosité. Ah bon, je ne choisis pas nos adversaires. Je l'aimais comme adversaire, mais je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas fait d'élection avec lui. Je pense à son chagrin et au mien. Probablement qu'on aurait aimé tous les deux se faire une lutte l'un contre l'autre. On se taquinait à la Chambre à ce sujet-là. Et l'histoire a voulu qu'il quitte
Et il n'a pas fait l'élection en 1993 contre moi. Qui aurait gagné le débat des chefs? On ne sait pas. Le débat des chefs, ça. Avec M. Mavroni? Écoutez, celui qui est le premier ministre gagne rarement. La presse veut que ce soit un gars de l'opposition, une femme de l'opposition qui gagne. Ce n'est pas très important. Il s'agit de ne pas faire une bêtise. C'est ça qui est important. M. Krajicek, can I ask you? You described it how on the ice you were opponents. Vous avez décrit comment sur la glace vous étiez des adversaires, mais à l'extérieur vous entendiez bien. Voilà la réaction de l'ancien premier ministre Jean Chrétien à l'annonce du décès de Brian Mulroney. Ça a été annoncé par sa fille Caroline aujourd'hui. Je vous rappelle.